Dans Théoussia, chapitre 2, versets 2 à 3, il est dit: quelques jours après, ils arrivèrent chez Théoussia, dont les amis intimes de Théoussia sont, quelques jours après, parce qu'il fallait qu'ils cheminent, il fallait que voilà, qu'ils voyagent pour arriver là-bas. Donc, quelques jours après, ils sont venus chez Théoussia, parce que les hommes de main de Théoussia sont allés les chercher dans différents lieux où ils vivaient, dans le continent bien-aimé, dans la région, des régions. Donc, quand ils sont arrivés, ayant de loin levé les yeux, ils ne le reconnurent pas. Point virgule. Alors, ils élevaient la voix et ils pleurèrent. Donc, on vous dit ici que les amis de Théoussia, les amis intimes, selon le verbe, parce que c'était des initiés, donc ils avaient dépassé le stade du corps, de l'âme et de l'esprit, donc ils avaient fusionné les trois êtres de l'amitié. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu Théoussia de loin. Ils l'ont pas reconnu. Ils ont vu son apparence. Ils ont dit: hey, notre ami ici, là, mais il avait la même apparence que nous. La même allure que nous. C'est-à-dire la fraîcheur. Là, ils ne le reconnaissent plus. C'est quelqu'un qui est devenu bizarre. C'est quelqu'un qui s'est affaibli. Qui, regardez la peau. Regardez la texture qu'il a. Quand ils ont vu, ils ont élevé la voix, ils ont commencé à pleurer. Les amis de Théoussia, quand ils ont vu Théoussia, ils ont élevé la voix. Ils ont pleuré. Ils ont commencé à pleurer. Alors que c'était des gens, des milliardaires. Ils ont commencé à pleurer. Ils déchirèrent les manteaux et ils jetaient de la poussière vers le ciel au-dessus de leur tête tout en fermant les yeux. Parce que ça, c'est la précision. Donc, ils vont fermer les yeux pour que la poussière ne retombe pas sur les yeux. Donc, ils ont vu cela. Ils ont vu qu'il a chuté, qu'il s'est affaibli, qu'il n'avait plus cette fraîcheur, qu'il y avait quelque chose qui a changé en lui. Et là, ça les a irrités, ça les a dérangés. Quand ses amis sont arrivés, ils ont élevé la voix. Donc ils ont crié, ils ont pleuré. Donc c'est ça aussi Théoussia. Ils ont participé avec son nom. Théoussia. Ils ont crié. Vous entendez, vous voyez des hommes crier. Quand un homme crie, vous savez ce que ça fait. Là, on ne les a pas tués, on ne les a pas braqués, ils ont pleuré. Ils ont déchiré les habits de luxe qu'ils avaient. Parce que quand ils voyaient Théoussia, un initié comme eux, pour eux, ce n'est pas possible. C'est toujours eux-mêmes. C'est comme s'ils se voyaient. C'était le miroir. Un vrai ami, c'est ton miroir. Mais si tu es à l'aise, tu veux aussi que l'autre soit à l'aise. C'est ça. Donc, puis ils restèrent assis à terre avec lui, virgule. Donc, ils sont venus, ils sont restés assis. 7 jours. 7 jours. Et 7 nuits. Et aucun d'eux ne lui dit une parole, car il voyait que sa douleur était grande et à point. Donc, durant 7 jours et 7 nuits, ils étaient assis à côté de lui. Parce que quand tu es choqué émotionnellement, mentalement, spirituellement, la famine, ça part. Hein. Tu n'as plus faim. Hein. Tu n'as plus faim. Tu n'as pas envie de manger. Ça part. Tu n'as pas envie de manger. Dans 7 jours, 7 nuits, ils sont restés assis. Ils lui ont même pas parlé. Parce que tellement ils le voyaient, ils ressentaient la même souffrance. Parce qu'ils ont vu que sa douleur était grande. Maintenant, certains vont poser la question de savoir, pourquoi pas 2 jours? Pourquoi pas 3 jours? Pourquoi 7 jours? C'était des initiés. Donc, quand les initiés posent des actes, ils ne posent pas des actes pour poser. Ils savent, tout est calculé. Pourquoi 7 jours?